Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la cinquième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Le public est au rendez-vous, regardez les enfants notamment en ces grandes vacances, fin du mois de juillet après le Tour de France masculin. On retrouve Anouska Koster avec son maillot à poids de meilleur grimpeur. Et ici la formation Félix de Queninck et le sourire de Yara Kastelein, vainqueur la veille de sa première course professionnelle sur route, elle, l'ancienne championne d'Europe de cyclocross. Sur la ligne de départ, le maillot jaune Lotte Kopecky, aux côtés du maillot blanc Cédrine Carbajal, la française, et du maillot vert porté par procuration par Ashley Moulman. Départ d'Honnête le Château, direction Albi, 126 km à parcourir, avec une étape que l'on pense pouvoir sourire aux sprinteuses, mais attention tout de même, il y aura un enchaînement de difficultés. Déjà dès le début, hein, le départ n'est pas facile, et ensuite, du côté de Castelfadès, le sprint bonus, et puis la côte de Monestier dans le final, avant de passer à Cagnac-les-Mines. Dès le départ, on apprend une nouvelle importante, l'abandon de Lorena Vibus, Jenny Risvet également, l'ancienne championne olympique de VTT, et Vita Music pour la formation FDJ Suez, qui abandonne en cours d'étape pour des problèmes d'estomac. Une échappée d'une dizaine de concurrentes se porte à l'avant, mais leur avance ne sera pas supérieure à la minute. On assiste ici à un problème mécanique, changement de roue pour Demi Vollering, leader de la Coupe du Monde, le dossard numéro 11, qui a pris 8 secondes à ses poursuivantes au classement général la veille. Mais là, regardez, le commissaire qui va sanctionner la voiture SD-Works pour son comportement, au-delà d'avoir ramené derrière voiture Vollering, il a emprunté la file de gauche, ce qui ne se fait pas. On doit laisser son coureur remonter de voiture en voiture. Ce sera sanctionné à la fin de la course d'une pénalité de 20 secondes au classement général. On regardera tous les classements à la fin de l'étape. L'échappée qui est reprise alors que Anouska Koster pour la formation 1X est en difficulté. Attention, le maillot à poids ne tient plus qu'à un fil. Lucinda Brand et Marianne Vos également distancées. Il ne va plus rester grand monde au sommet de cette difficulté. La côte de 3e catégorie, la côte de Najac, où Yara Kastelein passe en tête. Attention, Kastelein qui peut reprendre le maillot à poids après sa victoire d'étape. Et d'ailleurs, c'est fait au sommet de la côte de la Guépie. De nouveau, des points dans la besace de Yara Kastelein qui fait en ce moment un Tour de France parfait, tout comme son équipe Phoenix de Koenig. À 36 km de l'arrivée, on assiste à l'attaque d'une concurrente de la Canyon-SRAM, Ricarda Bayernfein, la jeune Allemande, qui va prendre d'ailleurs les secondes de bonification au sommet. Et il y a Claire Stills juste derrière elle, mais la Britannique d'Israël ne revient pas. Ashley Moulman qui prend 2 secondes ici devant Liane Lippert et Demi Vollering. Là, on se bat pour toutes les secondes sur ce Tour de France Femmes avec Zwift. Et à 30 km de l'arrivée, Ricarda Bayernfein qui compte une bonne petite quarantaine de secondes d'avance sur un peloton réduit où ça ne s'entend pas trop. Le Lotte Kopecky qui vient juste prendre les points du classement par points au sprint intermédiaire. Et c'est bien Ricarda Bayernfein hein, qui continue son effort. L'écart qui monte à 1 minute 35. Elle qui écoute les conseils et les consignes de son directeur sportif, Magnus Backsted, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix. 15 km de l'arrivée, l'écart est encore supérieur à la minute, mais il descend rapidement, 39 secondes à 10 km de l'arrivée. On se replace évidemment alors que la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est au loin, là-bas. C'est ici que sera jugée l'arrivée de cette cinquième étape. 5 km de l'arrivée, ça sort à l'arrière avec Malin Reusser. La roule toujours, Suisse, championne nationale qui est accompagnée de Liane Lippert, déjà un vainqueur d'étape sur ce Tour de France Femmes avec Zwift. Reusser avait gagné l'an dernier sur ce Tour de France, et Bayernfein qui passe la flamme rouge avec 25 secondes d'avance sur le contre, 40 sur le peloton, et ça se retourne. Ça sent bon, ça sent très bon pour Bayernfein. La concurrente de 23 ans, née en 2000, qui va aller chercher un succès de prestige. Victoire à Albi pour Ricarda Bayernfein. Derrière, on va se jouer les places d'honneur avec Liane Lippert et Marlène Reusser. C'est Reusser qui prend la deuxième place devant Lippert, et Lotte Kopecky qui va aller chercher la quatrième place en réglant le sprint du peloton à une trentaine de secondes de la tête. Ah, quelle finale, quelle victoire pour Bayernfein qui va tout de suite accueillir la joie de ses équipières, dont Kasian Yeviadoma en premier lieu, mais également de Soraya Paladin, hein, qui a terminé cinquième. Belle course d'équipe de la part de la Canyon-SRAM, et la victoire de Bayernfein, 23 ans, née le 1er avril 2000. Elle s'impose, elle est la plus jeune vainqueur d'étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Elle qui avait remporté par le passé une étape du Visegrad 4 Ladies Tour en Slovaquie.
c'était en 1.2. Et bien cette fois-ci, c'est une victoire World Tour pour Bayern Feind, l'autocopé qui conserve le maillot jaune. Et on va voir le classement général où justement Demi Vollering a reculé. Elle perd 5 places, elle est désormais à 1 minute 03 avec cette perte de 20 secondes. On voit que Bayern Feind gagne 9 places, elle est désormais 9e à 1 minute 38. Juliette Labousse est 10e à 1 minute 48. Le classement de la montagne avec Ira Castellane qui compte 23 points désormais. Devant Anouska Koster, 19 points. Au classement par points, l'autocopé qui est leader avec 166 unités. Et au classement du maillot blanc, Cédrine Carbajal a toujours 2 minutes 45 d'avance sur Ella Wiley, la néo-zélandaise de Life Plus Wahoo. La sixième étape s'élancera à Dalby, direction Blagnac, étape courte, 122 km 100. Cette fois-ci, on attend les sprinteuses, on leur souhaite qu'il n'y aura pas Lorena Vivas. Mais attention évidemment à l'autocopéki pour la SD Works avec des secondes de bonification à la clé. Et puis Marianne Vos, Balsamo ou encore Charlotte Kuhl auront envie de battre SD Works. Il y aura des difficultés en quatrième catégorie, elles seront quatre au programme. Mais ça ne devrait pas permettre de grandes manœuvres. Attention tout de même au final du côté de Blagnac. Cette sixième étape avant évidemment samedi le Tourmalet et dimanche le contre-la-montre individuel de Pau.